Attendez! Quoi? Non mais je rêve là! J'ai des hallucinations là où c'est Tara Mason qui se prépare à entrer au lycée. Non mais ne me dites pas qu'elle a redoublé! Calme-toi, Anastasia. Si ça se trouve, elle est juste venue pour régler quelques papiers administratifs et repartir tout de suite après. Y a pas de quoi s'affoler. Espérons que tu dises vrai. Allez, go en cours. Alors, pas trop nerveuse pour cette dernière année? Nerveuse? Ah non, pas du tout. C'est notre dernière année au lycée. J'ai hâte que tout soit terminé. Enfin, il était temps. Oula. Attends, Anastasia, je dois aller aux toilettes vite fait. Ok, je viens avec toi. Ça va, Émilie, je t'ai entendu vomir. Oui, ça va, t'inquiète pas. Ça doit être le stress de la reprise des cours. Allez, on y va. Bonjour à tous. Allez, installez-vous, je vais faire l'appel. Émilie Jolie. Anastasia Halliwell. Enzo Lambert, Kevin Thompson, Bruce Leroy, Donna Johnson, Tiffany Adams, Tara Mason. Parfait, tout le monde est là. Et quant à toi, Tara, tu as intérêt à travailler cette année si tu ne veux pas tripler ta terminale. Oh, il avait pas besoin d'afficher comme ça devant tout le monde. Oh non, mais quel cauchemar! Eh, que les choses soient bien claires, c'est pas le fait d'avoir redoublé qui me dégoûte le plus, c'est de passer une année scolaire dans la même classe avec vous. Deux bouffeuses d'hérissons et un dépressif. Ouais, super, je m'en réjouis à l'avance de cette année scolaire. Bande de schlingues. Allez, dégagez de mon passage. Ouais, ben super, nous aussi on est contents de te revoir, Tara. On se la farcie depuis l'orphelinat. Alors, qu'est-ce qu'une année de plus ? Pitié, Bruce, ne nous rappelle pas l'époque de l'orphelinat. C'est un moment de nos vies qu'on aimerait bien oublier. Ouais, t'as raison, Kevin. Allez, à plus tard, tout le monde. À demain. Alors, cette rentrée, ça s'est bien passé? Alors là, pas du tout. Tara a redoublé sa terminale et du coup, on se retrouve dans la même classe. Je suis dégoûtée. Enfin, bref, vous rendez compte que ça fait déjà 3 mois que grand-mère a disparu et qu'on n'a toujours pas retrouvé sa trace? Anastasia? Non, laisse-la, elle a besoin d'être seule. Mais je m'inquiète pour elle. Je sais, t'inquiète pas, elle se calmera toute seule. Alors, Jack Nagar, ça donne quoi tes visions d'Irma dans ta boule de cristal? Absolument rien. Irma est indétectable. J'ai l'impression qu'une personne a lancé un contre-sort surpuissant pour qu'on ne puisse pas la localiser. Je m'inquiète vraiment pour Anastasia.
Je trouve qu'elle s'isole de plus en plus depuis la disparition d'Irma. Je ne sais plus quoi faire. J'ai une idée. Je vais lui offrir le coiffeur, ça va lui remonter le moral. Dans ce cas, je vous accompagne. J'ai besoin de me rafraîchir ma tête. Bonjour. Que puis-je faire pour vous aider? Moi, j'aimerais changer de coiffure, mais tout en gardant mon style rockabilly. Pour moi, vous rasez tout. Très bien. Avec Antonio, vous êtes tombé entre deux bonnes mains. Je suis le meilleur de tous les coiffeurs. Vous avez une belle couleur de cheveux. Merci beaucoup. Notre couleur est naturelle. Si c'est naturel, alors moi, je suis le fils caché de Madonna. Ah, je sens ma tête plus légère. Beau travail, combien on vous doit? Pour vous deux, ça fera $60. Ah, les voilà enfin. Je vais aller chercher leurs vêtements pour qu'ils puissent se transformer. Écoutez, ça fait des semaines qu'on essaie de pister la trace d'Irma, et rien n'y fait. Elle reste introuvable. Son odeur s'arrête à la limite de San Andreas, et plus rien. Et de votre côté, avez-vous réussi à voir qui a endormi la reine Sylvanas? Toujours pas. Les visions sont bloquées concernant cette personne. Et on ne sait pas pourquoi. Comme c'est étrange. Vos visions sont bloquées pour Irma et cette mystérieuse personne qui a endormi la reine Sylvanas. Et si c'était la même personne qui avait endormi Sylvanas et enlevé Irma? On n'en sait rien et je commence à désespérer. Je ne sais plus quoi faire. Courage, Sana. Tu dois garder la tête sur les épaules et ne pas perdre espoir. Irma est là quelque part et on la retrouvera. J'espère que tu as raison, Onata. Super, tu ne dors pas encore. Non, je t'attendais. Ah, ce que j'aime me retrouver avec toi la nuit. Idem, mon amour. Tout.
Tous les jours, j'attends que la nuit tombe avec impatience pour te retrouver. Mais j'en ai assez, ça fait 3 mois qu'on se cache pour se retrouver. On devrait le dire aux autres pour nous deux. Non, c'est beaucoup trop tôt. Puis tout le monde est tracassé par la disparition d'Irma pour l'instant. Je crois qu'on devrait attendre. Oui, c'est vrai, tu as raison. Allez, viens là. Tu ne m'as pas totalement éliminé, elfe. Je trouverai le moyen de me venger et de revenir. Deep in your river. Died. Deep in your river. Yeah, I took a leap and I died. Down in your river. Yeah, I'm in so deep in, I'm underwater, yeah. And it's hard to breathe without you. I'm deep in your river, babe. Cause those like rivers pulling you into the ocean. Those like rivers pulling to and from the ocean. I'm under.